Allez, je continue, je m'arrête pas. J'ai envie de bousiller des gueules. Et si je lâche, je meurs? Bon. Je vais être obligé de crever. C'est moi ou le vestiaire? Le bestiaire? Le bestiaire. Le bestiaire n'est absolument pas varié là. Compliqué quand même pour un Souls-like là de faire ça. Enfin, c'était marrant deux minutes les morts vivants là. Chauve, mais c'est bon, stop, next. Merci Fanaert, pardon, pour le deuxième mois. Baume anti-poison, ok. T'as encore là, toi. Onward you march, eh? Onward you march, eh? I hope it's not for any kind of glory. But you won't find a sniff of that. Certainly I hope it's not in the name of the Hallow. Because take my word for it. They're no better. I've got many a scar to prove it. C'est ça, tu skis. En gros, tu peux passer d'un monde à l'autre avec la lampe. Et ça te permet de passer dans certains passages auxquels tu n'aurais pas accès dans l'autre monde. Tiens, bah là, il y a une effigie. Hein. Après, pour le moment, c'est exploité sans plus, je trouve. On l'utilise, mais bon. Je me dis que ça changerait pas forcément grand-chose avec des énigmes qui se passeraient dans un seul et même monde. À moins que tu me dises que par la suite, il y a des boss qui est vraiment des mécaniques où tu dois alterner entre les deux mondes. Une flèche empoisonnée. Oui, parce que moi, je vois l'arc, c'est cool. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Mais après, le boss d'avant, il y avait clairement moyen de le finir plus tôt. Hein. J'ai pas été ouf. Mais c'est vrai que pour le coup, pour ma défense, les patterns étaient un petit peu compliqués. Comme dirait un grand philosophe, ce n'est pas facilement lisible. Ouais, tu sais quoi, je vais me reposer, je vais sortir du monde de la mort. De l'Umbra, comme ils disent. Ne s'ouvre pas de ce côté, tiens, c'est étonnant. C'est étonnant. Putain. Ouais, on en est au début, là. On a fait combien de boss là? On a fait 5 boss en tout. Hein. Sur ce live, on en a fait 3. Mais en tout, j'ai fait 5 boss. Vous verrez la première VOD de toute façon sur la chaîne. Secondaire. Tétonnant, oui. Une liaison toujours sympathique. Ouais, d'accord. Il y a des liaisons comme ça, t'es un peu fébrile quand tu les fais. Par exemple, quand je dis que je vais sortir Azir, mon perso principal, j'évite de dire bon, je vais jouer mon Azir. C'est un petit peu compliqué quand même, hein, comme genre de liaison. Oh non, ça y est. Oh, ça y est, il fallait qu'il foute un putain de marécage. Hein. On y est, ça y est. Oh, ça me rappelle Mortal Shell, au secours.
Je me disais bien, il y a un truc qui bouge. Ouais, je pense qu'en off, j'explorais un peu les zones précédentes, au cas où si j'ai raté un objet pour forger mes armes. Bon, en tout cas, je confirme, on est clairement au-dessus de Mortal Shell. Hein. Je préfère largement ce jeu-là. En même temps, vous allez me dire, bah, c'est pas dur. Quand même, hein. Ok, il y aura une échelle à faire tomber. Petit fragment de terre à lieu. Ah, ici c'est pour planter une graine par exemple, mais on va éviter. On va éviter. Putain, il fallait une connerie de marécage, hein, bah ouais. Eh hey boss, on va faire un Souls-like, faites un marécage comme Miyazaki les gars. Vous êtes un génie boss. La hache d'ange. Oh non pas ça. Pas ce truc de merde là. Non, non, Mortal Shell, ça vaut pas le coup. Vraiment, si vous pouvez y jouer gratuitement sur le Game Pass, allez-y. Par contre, l'achetez pas. Hein. Enfin, l'achetez pas à plus de 20 boules, quoi. C'était pas nul, hein, mais c'était moyen. Clairement. Quitte à faire un Souls, qui n'est pas un Dark Souls, faites celui-là. Hein. What, c'est quoi ça? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que cette salope? Qu'est-ce que... Il y en a partout! Il m'a empoisonné, c'est con! Oh oui, l'échelle, oui. Oh, le passage. Y a du monde, hein. Eh bah dis donc, le 60 FPS, il se fait bien enculer, là, hein. Eh bah dis donc, mon cochon. Je vais reset. Je pense que je vais reset. Non, je sais pas, il me semble que pour ceux qui ont fait le jeu, l'arme que j'ai, là, l'arme de départ, elle est pas dégueu. Hein. Je pense que ça va. Hein. Ah ouais, alors l'échelle, d'accord, on a fait tomber l'échelle, mais ça n'arrange pas nos affaires en fait. Mec, je viens d'où? Ah oui, on était là, ok. Au secours.
Eh ben dis donc. Bon alors du coup... Attends, ah non mais l'épée de recteur pourpre, c'est pas la même que l'épée à épines de recteur pourpre, c'est pas la même chose mon pote. C'est pas la même chose hein. Celle-là elle tape plus fort. Par contre celle-là a l'air de mettre du saignement. Ouais. Ouais, ça va peut-être le coup de jouer celle-ci plutôt. L'épée de recteur pourpre et épée à épine de recteur pourpre. Ouais. Ouais, il court vite le personnage. Hein. On me l'a beaucoup fait remarquer. Non, toi tu te tais. C'est vraiment un... quand même un sacré bordel. Hein. Je vois en termes de difficulté le jeu où il se situe par rapport au Souls et tout le bordel. Bon, j'ai toujours pas touché à l'échelle en haut là. Ça c'est chiant. J'ai mal. Ok, ça c'est fait. Lui, il va me casser les boules. Qui ? Oh, il est sur des échasses. Incroyable. Attends, mais la zone elle est immense là. La zone est grave, grave grande. Non, non, c'est la récupération normale, hein, pour la stamina. Oulala. Oulalalala. Ok, donc là, je peux mettre une effigie ici. Hein. D'accord. Un truc. Qu'est-ce que c'est au-dessus là? Je crois qu'il y a un mec qui me suit, il veut m'empoisonner. Quelle horreur. What, c'est quoi ces merdes là? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ces petites saloperies hein? Oh yes, ça c'est bien. Ça augmente notre popo. Ça fait plaisir. Ça valait le coup. Ah
Par contre, le jeu est pas super opti, quoi. C'est dommage, les 60 FPS qui se barrent, là. Ils foutent le camp. C'est bien dommage, ça, Jamy. Lock, mon pote. Je l'avais pas encore fait. Ouais, du coup on a été là, mais... Et alors ? Alors ça c'est l'échelle qu'on avait fait tomber, ok. Le lock me tue, hein. Salut Deus. You, the sorcerer I was traveling with was actually some kind. Said it would toughen my if I let him reinvigorate it. As you can see, he did that sure enough. Stupid, but he was a stupid bastard, and the mercenaries got to make a living. Wilmark wanted protection for a journey to Mondstadt. He thought there was powerful magic here for the... But the coward ran off when some creatures that they couldn't take my head. Trina peace. So, looks like my blade's for hire again. Get this damn thing off me, and who doesn't appreciate having a thing? Get this damn... And who doesn't appreciate having a... Et comment tu veux que je te l'enlève? Un Vike sur les Souls-like? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas demain? En vrai. Faut que je run. Non mais pourquoi pas en vrai, moi j'ai déjà pensé à le faire. Ouais, on a beaucoup de gemmes, hein. Ce serait dommage de crever. Oh, mais y'a un truc là. Ils sont partout! C'est la technique des Souls, ça. Tu cours jusqu'à la prochaine effigie et tu reviens en arrière. Oh là, au secours. Il m'a bloqué ce con. Après, je peux en planter une ici, au pire, mais... Putain, c'est une horreur, hein. Ouais, je suis bloqué, hein. Mon pote, ça va être dur, hein. Ah ouais, le monde qui... Ah ouais, non mais attendez. Tu vas tomber, oui ou merde? Ok, donc ça, ça marche, j'aurais bien vérifié. Par contre, il y a vraiment trop de monde, là. Tant pis. J'ai pas réussi. J'ai pas eu le temps. Merci Jason pour le 4ème mois. Il y a 13 minutes, j'avais pas vu. Désolé, merci. C'est chaud, hein. C'est chaud. Le monde de l'Umbra est vraiment sans pitié, quoi. Là-bas, d'accord.
Ah, la petite ref. Il faut bien ça pour faire des sorcières. J'aime cette petite ref. Moi, tu me dis une branche, je pense à ça. Hein. Je pense à la Wefu. Enfin, du moins, la seconde. Oui, bien sûr. Putain, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Vous êtes beaucoup là, les mignons. Ok, ça par contre, ça marche toujours. La possibilité de décaler ta caméra au dernier moment avant de mettre un coup pour taper les deux mecs. Alors, c'est de la merde, hein, c'est de la merde. Très juste la vidéo sur l'étal, j'avais jamais fait de jeu d'horreur, pas mon truc, mais je l'ai pris pour jouer avec un pote. Et le mélange entre le rire et tu te chies dessus, c'est dingue. Ouais, je trouve que ça excelle dans les deux catégories. C'est vraiment ouf. Moi j'adore, hein, meilleure surprise de 2023. Et encore une fois, le jeu n'est pas encore sorti. Hein. Oh, une porte qu'on peut... Oh là 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 là, mais voilà, une petite porte sympathique, un petit passage. Et ben voilà. Mais ouais, meilleure surprise jeu vidéo 2023 pour moi, hein, Lethal Company. Je ne rigole même pas. Hein. Je dis pas que c'est le jeu que j'ai préféré faire. Hein. Je dis juste que c'est la meilleure surprise de 2023. Je m'attendais pas à autant kiffer ce petit jeu développé par un mec. Et au final, bah, je kiffe toujours autant y jouer. Ah ! Plus le jeu est toujours dans la hype. Hein. Je vois toujours des vidéos sur Twitter qui tournent. Font v'là les likes, genre 10 000, 20 000 likes. Encore hier, je voyais des montages de Lethal Company côté Amérique. Donc, ça fait plaisir. Mais. Ouais, ouais, évidemment. Quand le jeu sortira officiellement, évidemment que je retournerai dessus. Donc, si la date n'a pas changé, c'est pour avril. Nouveau concept. Après les techs qui sortent un an après la sortie des jeux, les techs qui sortent avant la sortie des jeux. 3 mois avant maintenant. Allez, let's go. T'es pas vraiment empoisonné là ? Empoisonné ce bâtard. Pas gentil. Il fait le petit museau. Alors il y en a deux sur des échasses. Ok, d'accord. Ils sont casse-couilles. Hein. Ah, ça te guérit du poison de faire ça. Hein. Bon à savoir. T'es un oursin sur les couilles, hein, vraiment. On a toujours pas récupéré nos runes, du coup. Peut-être une échelle. Oh putain. Oh, la hitbox avec les murs. Oh. Mon dieu que c'est chaud. Non, empoisonné, hein. Un javelot empoisonné. C'est tout, y a pas d'échelle, y a que dalle. Ah, tu m'as bien baisé. Hein. Tu m'as bien baisé, petit salaud.
Est-ce que je compte essayer Last Epoch? C'est quoi Last Epoch? Je sais plus ce que c'est. Ça me dit un truc, mais... Ok, je suis empoisonné, faut que je me grouille. Ça sert à rien. Ok, je vois où on était déjà allé là. En fait, je peux pas continuer comme ça. Ah, j'ai pas assez de vie, j'ai rien. Là-bas, on y avait été déjà. C'est le bordel, hein. Ah, pour l'instant, c'est pas mal, Lord of the Fallen. C'est bien, c'est bien. C'est... Voilà. Mais c'est toujours le même problème, c'est... Pourquoi jouer à ça quand tu peux jouer à Dark Souls? À moins que t'aies déjà fait tous les Souls, comme moi, du coup. Enfin, la trilogie, du moins. Mais ça va, ça passe. Ça passe, ça passe. Bon, allez. Oh oui, les 60 FPS. Ils font plaisir. D'accord. Et du coup, moi, j'ai toujours pas récupéré mes armes, hein. Tu m'as bien attrapé, petit salaud. Un hack and slash, ça me dit rien à cette époque. Juste de nom, je connais, mais... J'ai déjà entendu ça, mais... Là, tout de suite, je vois même pas la DA, en fait. Je vois même pas à quoi ça ressemble. Y a tellement de jeux à faire, en fait. Tellement de jeux. Ça ne s'arrête pas. Hein. Je crois qu'on avait été là-bas tout à l'heure. Oh, mais c'est des Ramus! Accroché dans le mur, ce con. Ouais, je m'en doutais. Ça, c'est le genre de connerie, tu le sens. Tu finis par le sentir, ça. En gros, je pense que c'est la moitié des joueurs de Diablo 4 qui iront dessus. Ah, bah déjà, moi, Diablo, c'est pas trop mon délire. Les hack and slash, en fait, c'est pas trop mon kiff. Donc là, pour le coup... Ah, là, à cette époque, je pense que je connais parce que des potes en ont parlé. À tous les coups, ça doit être ça. Parmi mes potes, il y a beaucoup de fans de hack and slash, tu vois. Après, c'est vraiment pas mon délire, moi. Bon, c'est une horreur. J'ai envie de mourir. Anneau de verdure. Là, je voyais rien. Ça va, ça va, ça se dégoupille, c'est bien. Je vois que dalle. Qu'est-ce que c'est ? Here you are again.
If having your eye hasn't driven you mad yet, although you never learn to balance and ignore the whispers telling you. I came to Mons, I made a mistake, but now... D'accord, ok. Ça fait plaisir ce que tu me dis, mon pote. C'est pas l'effigie, ça ? Oh, je suis triste. Oh putain, on revient ici. Mais c'est vraiment un bordel cette zone, hein. Excusez-moi, hein, mais... Quel bordel! En plus, il te lâche pas les ennemis, hein. Ouais, j'en étais sûr. C'est quoi ces boulettes là? Je me disais, c'est quoi ces boulettes de viande? Encore des boulettes de viande. Putain, c'est vraiment dommage que ce soit pas 60 FPS constant par contre. Hein. C'est pour ça que je meurs depuis tout à l'heure, hein. Je vous assure. Ouais, tu peux juste voir l'autre monde en fait quand tu tiens ta lampe. Bon là du coup je suis déjà dans le monde des morts donc ça sert à rien mais... Quand t'es dans le monde des vivants tu peux voir à quoi ressemble le monde des morts. Enfin l'échelle, ça c'est cool. Bien, 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 bien. Bonjour à tous. Oh là là, c'est quoi cette merde là? Sur la gauche. Qu'est-ce que c'est? Toutes les âmes que j'ai, mon pote, au secours. Je suis bloqué ? Oh putain, je suis bloqué. Bah oui, je suis en boss. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est chaud ce jeu ? Oh là 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 là. C'est Monsieur Patate. Sans patate. Ah c'est une horreur mec hein. Putain c'est dur. C'est dur. Bah écoutez on aura fait nos... Je veux pas m'arrêter là hein, mais on aura fait nos 4 heures de live sans déco internet. C'est fou n'est-ce pas? Bonjour. Alors faut que je retrouve le chemin. Je me remémore le chemin là. Admettons qu'on parte par là-bas. Ensuite. Que fais-je? Par contre, ça va être dur hein. On a fait tomber une échelle tout à l'heure, c'est pas celle-ci. Ah, c'est pas celle-ci qu'on a fait tomber ? Oh ! Ah ouais, ça par contre c'est chiant. Ouais, les âmes partent après deux morts.
Ça ferait 7000 âmes dans le cululu. Et je vois pas quelle échelle on a fait tomber alors, dans ce cas. C'est peut-être celle-ci là. C'est peut-être celle-là. Ça m'a l'air d'être celle-là. Ouais, c'est dur. Mais bon, on est là pour souffrir, hein. Je sais pas du tout si c'était cette échelle là en fait. Putain, ce monde. Bon après là, vu les âmes que donnent les mobs, ça va, ça se refait quand même assez vite. Ouais, cette échelle ne me sert pas à grand chose en fait. Pareil, là c'est de la merde. Oula. Bon, il m'a empoisonné. C'était prévisible. Ok, dégage. Ah, c'est chaud. T'as vraiment du mal à te repérer dans cette zone, hein. Enfin, je veux dire, dans Dark Souls 3, le level design est beaucoup mieux agencé, je veux dire. N'est pas From qui veut, j'ai envie de te dire, voilà. Je me rappelle qu'on était passé par là, ouais. Mais oui Lorenzo, frappe-moi, je ne te dirai rien. Ouais, c'était là. Mais il y a sûrement un raccourci que j'ai raté, c'est pas possible. Ou alors j'aurais peut-être posé une effigie. Alors cette échelle là on l'a fait tomber. Moi j'aimerais bien voir. Le repérer où elle est. Ok, je crois que je vois. En fait faut juste que je continue tout droit. Je commence à voir, je commence un peu à comprendre. Par contre, l'échelle est un petit peu loin là, dis donc. Jamy. Duo de briolite et non pas de trilobite. Ah, cette échelle, pareil, elle m'intrigue. Bon, vas-y, je vais recharger mon truc. Je vais recharger mon âme. Ah, cette zone est... Elle est horrible, hein. Il y a toujours les marais, hein. C'est toujours les marais à la con qui te font... qui te font souffrir. Allez, c'est bon, je me casse. Je me repose. Et j'y retourne. Je vais essayer de battre le boss grosse tête, là. Je t'avoue que j'ai quand même envie de mourir, hein. J'avoue, j'ai envie de mourir. Ah.
En fait, faut suivre le ponton et normalement, t'arrives à l'échelle sur la droite. Là-bas. Ouais. Ok. Malheureusement, il n'y a pas plus rapide là. Ah mais je suis obligé de mourir. Ça c'est con ça. Et ouais, je sais, faut suivre le conduit, mais je me suis perdu. Je me suis perdu. La grosse tête de Namek. Ouais, en fait, le souci, c'est... que va y avoir d'autres mobs avec lui. Oh, la grosse tête de Namek, elle arrive. Grosse tête de Namek ? Qu'est-ce que c'est que ce boss ? Dégueulasse. Je peux pas lui taper quand il a la tête ouverte. Bon, je peux lui taper dans le cul. Bien la musique là qui s'excite quand il ouvre sa petite tête. C'est dur hein. Il est vraiment dégueulasse. Oh les dégâts. Les dégâts Jamy. C'est pas simple hein. C'est pas simple. Ouais, c'est vraiment pas simple hein. En faisant ça, du coup, ouais, tu tours sa petite tête. Oh, les vers là, les vers. Il me pète les couilles, les petits vers là. Tu m'as bien attrapé, petit salaud. Ouais, ouais, ouais. Bon, et eh ben, ça sera pour le prochain live, hein. Prochain live ou en off, j'en sais rien, mais en tout cas, lui, je vais pas le faire sur ce live là, parce qu'à mon avis, ça va prendre du temps. C'est dur, hein. Pour le coup, le jeu est compliqué. En fait, je vais le faire en off là tout de suite, parce que ça m'arrange pas pour les VOD. Et c'est frustrant en fait de partir sur une défaite. Je vais le battre. Sans vous ou avec vous.
C'est la galère. Je sais pas pourquoi je me fais chier à le combattre lui. En fait, c'est vraiment dommage qu'on puisse pas l'atteindre vivant. Ce truc. Je suis obligé de me tuer avant. Il est dur, hein. Ah, et puis il y a ces boss là, oh là là, mais c'est une horreur ce boss hein. Horrible ce boss hein. Il est vraiment horrible. Il est chaud de night. Merde, ça marche pas. Oula. Pas content. Hein. Putain, il est vraiment chaud. J'arrive pas à voir ma jauge. Ah, je pense que c'est bon. Allez, viens mon pote. Putain, il est même pas midlife. Hein. C'est déprimant. C'est déprimant le peu de dégâts. Ceux-là, faut que je vois comment je les gère ces asticots là. Quand est-ce qu'ils s'en vont? Quand est-ce qu'ils les pop? Ah ouais, mais t'as ton fou à des pop en fait. Hein. Bien joué. Bah bien eu. Midlife.
Après, il y a moyen, hein. J'ai grid là. Attention petit verre, que je me casse. Je vais récupérer de l'énergie là. Peut-être que je vais pouvoir le faire ouvrir une dernière fois. Je suis pas sûr, malheureusement il n'y en a plus. Holy shit, il y en a plus. Faut se démerder. Allez, viens mon bonhomme. Oh les non-dégâts. Les non-dégâts. Fait quoi? Ça va me faire prier, hein. La musique qui part en couille. On y est, hein. Peut-être moyen, hein. Ce serait le first try en off. Ça veut tout dire, l'homme se concentre mieux. C'est pas fini? Pas mort ce con. Ok, bon bah je l'aurais fait en off, mais comme ça c'est pratique pour la VOD. Vous de votre côté sur YouTube, vous aurez l'impression que c'était une belle petite run d'un coup. Ok, super. Et du coup on va pouvoir faire baisser l'échelle. Rosaire de Barous l'éclaireur. Ah, pour revenir chez les humains. Ok, bon bah écoutez, rondement bien mené tout ça, ça fait plaisir. Y'a quoi ici là? Ah que dalle, c'est juste pour tomber plus vite. Ok d'accord, et bien parfait. Zut. Bon, ça commençait plutôt bien en termes de boss. Ça fait quand même deux boss qu'on enchaîne que j'ai pas trouvé incroyable hein, niveau pattern. Là, le gros géant et la grosse tête de Namek, là, c'était pas fou. Mais bon, au moins, on l'aura buté. Allez, je vous dis à la prochaine concernant les VOD.